Cher Thaï, cher maître bien-aimé et respecté, et chère communauté, bonsoir. Donc, bienvenue pour cet après-midi et soirée. Nous sommes le 24 décembre de l'an 2017 et nous sommes dans la salle de l'eau tranquille au Hameau du Haut. Et cet après-midi, c'est une célébration. On se retrouve tous ensemble pour célébrer la vie, célébrer la lumière aussi, car dans cette partie du globe, les jours vont commencer à rallonger. Donc on célèbre la lumière, hein, et donc on la célèbre avec étant plein de lumière sur les arbres, des lumières un peu partout, des bougies. Et puis aussi, célébrons la naissance d'un enfant, pour certains d'entre nous qui sont de tradition chrétienne. Nous célébrons la naissance de Jésus, de Jésus-Christ, qui est une personne chère à l'humanité. Tout comme le Bouddha, à peu près le Bouddha est né environ 600 ans avant Jésus-Christ. Ce sont des hommes qui ont incarné la paix, qui ont incarné l'amour, la compassion, la compréhension dans leur quotidien et qui nous permettent aujourd'hui d'être ici, tous ensemble. De célébrer ce beau moment ensemble. Et nous pourrions, j'aimerais vous inviter à imaginer qu'à l'extérieur, tout est blanc, il est tombé de la neige. C'est arrivé ici, on a déjà eu des Noëls sous la neige, mais on peut imaginer que tout est blanc à l'extérieur, hein. Il est tombé de la neige. Hein. Les arbres sont recouverts d'une neige poudreuse et fine. Et puis ici, à l'intérieur, il y a une grande cheminée. Je ne suis pas là, moi, c'est juste une cheminée. Avec des flammes. Et on est tous ensemble autour de ce feu. Et on est bien, on sent chez soi. On sent en sécurité, on est entouré de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, de nos oncles, nos tantes, nos frères, nos sœurs, cousins, cousines, amis, enfants. Et on se sent bien. Parce que, comme mon frère aîné disait avant, notre grand frère ici du Hameau du Haut, que tous nos ancêtres sont en nous. Donc en chacun de nous, on a toutes nos lignées d'ancêtres. Donc en chaque personne, en fait, il y a tous les ancêtres qui sont là. Et donc il y a beaucoup de monde ici dans cette salle ce soir. Donc on s'offre tous cette présence. Et bien sûr, Bouddha est là, Jésus est là avec nous. Et on se sent bien, on est autour du feu. Autrefois, dans cette salle, il y avait deux poêles à bois, ici et là. Et la salle était plus petite, et il faisait beaucoup plus frais aussi, quand il faisait très froid dehors. Alors on se mettait tous proches du feu, des deux poêles. Donc à ce temps de Noël, on célèbre donc une naissance. Et nous, ici au village, nous avons célébré aussi une naissance il y a 10 jours exactement, le 14 décembre. On a eu 9 nouveaux bébés. On a donné naissance à 9 bébés. C'est comme cela qu'on appelle ici dans notre tradition, ici au village, quand il y a des ordinations de novices, quand des personnes, hommes, femmes, décident, jeunes, moins jeunes, décident de consacrer leur vie pour transformer
leur propre souffrance pour pouvoir aider les autres à trouver un refuge et soulager leur propre souffrance. Donc, ils viennent et souhaitent recevoir, joindre la communauté monastique. Et donc, le 14 décembre, il y a eu une ordination et nous, on a la Sangha pendant plusieurs mois ou années les a pris soin, les a nourris, a fait de son mieux. Hein, de temps en temps, ça dépendait des conditions. Des fois, bon, on ne donne pas forcément la nourriture que l'enfant a besoin, mais on en fait de notre mieux. Et donc, on a donné naissance. Hein, et c'était une célébration. Et ce jour-là, c'était... il y avait une cérémonie pendant laquelle il y avait un recueillement, une solennité qui était là, la paix, la pleine conscience, une énergie de concentration pour vraiment soutenir nos jeunes frères et sœurs dans leurs vœux et aspirations. Donc il y avait cet aspect de calme, de paix. Et puis aussi, on a eu l'aspect de joie, de célébration festive, avec l'après-midi, avec plein de cadeaux. Et des bougies et des gâteaux, tout ce qu'on va avoir plus tard aussi. On va avoir aussi, plus tard, on aura un spectacle, on va bien manger, plein de lumière. Et donc, ils ont eu plein de cadeaux. Moi, je pensais, mon partage cet après-midi, en fait, j'avais envie de vous faire des cadeaux. Et il y a très beau cadeau, nous, hier soir, au hameau du Bas, nous avons eu, il y a eu comme des ombres qui sont apparues, portant des lumières. Je pense qu'ils ont visité aussi le hameau du Haut, ces ombres comme ça, et le hameau nouveau aussi. Mais nous, au hameau du Bas, c'était l'heure où tout le monde allait vers la salle de méditation. Et donc, on allait doucement pour aller à l'heure de la cite, dans notre grande salle de méditation, et on apercevait des ombres qui descendaient avec des bougies. Et alors, vite, on s'est précipité, comme des enfants. Qu'est-ce que c'était, ces ombres? Et en fait, on a pu... ils sont rentrés dans la salle de méditation. On a éteint les lumières et simplement laissé le sapin allumé et avec leurs bougies. Donc, je voulais les inviter à venir et à nous offrir un chant de Noël. Donc, si vous voulez bien venir, mes frères et sœurs, nous offrir votre chant. Donc tout comme vous avez reçu le son de la cloche, vous allez pouvoir aussi ouvrez votre cœur pour recevoir le chant de mes frères et sœurs. Ils vont chanter en anglais, mais même si vous ne comprenez pas, ça va. C'est un chant qui s'appelle Midwinter, au milieu de l'hiver. Donc c'est quand c'est le milieu de l'hiver, des fois c'est un peu triste et il y a du vent, et la terre, comme il fait froid, elle devient très dure. L'eau, il y a de la neige, beaucoup de neige. Donc c'était dans le milieu de l'hiver, cela. Et puis dans une étable. Il y a un enfant qui est né, Jésus-Christ. Je vous dis un petit peu les paroles. Il va y avoir, il y a des anges et des archanges qui se sont rassemblés. Mais seulement sa maman l'a embrassé, lui a donné un baiser. Thank you.
Merci beaucoup. Thank you. Beautiful, un très beau cadeau, n'est-ce pas? Beautiful gift. Donc la dernière strophe du chant, c'est dire mais que puis-je lui donner, que puis-je lui offrir à cet enfant qui vient de naître, parce que je suis pauvre. Et si j'étais un berger, je lui offrirais un agneau. Et si j'étais un homme sage ou une femme sage, je ferais ce que j'ai à faire. Mais que puis-je lui offrir? Et je peux lui offrir mon cœur. Donc, comme le son de la cloche, on peut toujours offrir notre cœur. Même si on n'a rien, mais nous avons notre cœur. Donc, le temps de Noël, on a souvent, peut-être on achète plein de cadeaux, mais un des plus beaux cadeaux que l'on puisse offrir, c'est notre présence. Une présence... Bien sûr, si on peut offrir une présence de paix, une présence d'amour, de compassion, c'est, je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est la présence que l'on aimerait offrir. Donc, la pratique de la pleine conscience, bien sûr, va nous aider à développer, à cultiver cela en nous. Donc ce soir, il y a, comme je disais avant, il y a la présence de tous nos ancêtres génétiques ici, nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, frères, sœurs, oncles et tantes, et aussi la présence de nos ancêtres spirituels, de nos guides, de nos maîtres, bien sûr du Bouddha, de Jésus, et aussi la présence de Thaï, de notre maître bien-aimé, qui a fondé ici le village des Pruniers. Et comme je disais avant, je suis touchée de poser mes mains sur le pupitre où Thaï a posé lui-même ses cahiers ou ses papiers. Et je voulais vous offrir un autre cadeau, et un poème de Thaï. Et pour moi, j'aime beaucoup les poèmes de notre maître. Et en réfléchissant à ce que j'allais vous partager aujourd'hui, je me suis dit, mais je vais leur partager un poème. Et donc, j'ai ouvert le livre. Et ce poème, j'ai trouvé, était très approprié pour le temps de Noël. Parce que pour moi, cette période de l'année, une chose qui est très importante, c'est la paix. La paix, bien sûr, l'amour et la paix. Donc ce poème s'intitule « Calme ». Alors j'ai donné à mes traductrices la version anglaise, et j'ai remarqué que la version anglaise est très légèrement différente de la version française dans certains mots. Il y a une strophe aussi qui manque. Je pense que c'est un poème qui a été traduit du vietnamien, et souvent il y a des interprétations très légèrement différentes. Mais ça va. Peut-être on va écouter un son de cloche avant que je commence le poème. Donc on peut sentir la présence de Thaï, sentir notre propre présence, revenir à notre corps, notre respiration.
Sur le chemin menant à la lune, je me retourne. Je t'aperçois et ne cesse de m'émerveiller sur ta somptueuse beauté, bulle d'eau qui flotte sur l'océan de l'espace immense. Tu es la Terre, tu es la planète verte, éclatante et superbe, pourtant si fragile. Je me découvre en toi, moi qui marche dans la pleine conscience sur le chemin de terre bordé d'herbes fraîches. Mes pieds font une promesse à la terre. Mes yeux embrassent l'heure matinale. Je m'installe dans la paix de l'instant présent. Les feuilles d'automne tombent et recouvrent le chemin, déroulant le tapis de la marche méditative. Hésitant, l'écureuil se cache derrière le tronc de l'arbre. Il me considère de ses yeux teintés d'un peu de surprise, puis se lance à la cime de l'arbre pour disparaître derrière une touffe de feuilles. Je vois le ruisseau limpide se glisser entre les fentes des rochers blancs. L'eau rit aux éclats, les pins sifflent, ensemble, ils célèbrent une matinée de paix. Je vois aussi les lieux de souffrance où les conflits entravent l'homme. Nous nous faisons souffrir les uns les autres et déversons sur la terre la vague déferlante de la discrimination, de la haine, de l'avidité, cause implacable de tant de catastrophes. Les poussins de la même poule se teintent de couleurs différentes et se battent. Les cris déchirants clament l'horreur de la guerre. La terre, c'est nous. Chers frères, chères sœurs, elle est si belle que j'ai envie de prendre dans mes bras toute la planète, de la serrer tendrement contre ma poitrine. Respirons ensemble au même rythme et ramenons le calme dans notre esprit. Nous, les êtres humains, coopérons, acceptons-nous, aimons-nous, car nous aimons la terre, et nous savons que notre amour est le tout. Notre amour n'est pas un fragment. Tous ensemble, nous sommes responsables de la planète. Mes chers frères et sœurs, ce matin, cet après-midi, transmettons-nous la vue. Faisons en sorte que prenne forme le grand amour. Que je voulais faire cet après-midi avec ce poème, non pas l'interpréter, mais simplement vous dire ce que certaines des phrases de ce poème évoquent pour moi. Donc, sur le chemin menant à la lune, je me retourne. Je t'aperçois et ne cesse de m'émerveiller sur ta somptueuse beauté. Bulle d'eau qui flotte sur l'océan de l'espace immense. Tu es la Terre, tu es la planète verte, éclatante et superbe, pourtant si fragile. Et le mot qui m'a frappé tout d'abord, c'est « je me retourne ». Et souvent, comme ce matin par exemple, j'ai fait une longue marche
une longue marche parce que je pouvais sentir qu'en moi, si je laissais mon esprit partir, la graine de l'anxiété se serait trouvée arrosée. Donc je suis allée, je me suis dit, je vais aller faire une longue marche. Donc je suis allée marcher, car notre maître, comme à nous tous, c'est ce qu'on essaie de transmettre, nous a transmis la pratique de la marche méditative, la marche en pleine conscience. Donc je suis allée marcher sur la terre, avec des pas en pleine conscience. Et ce que j'aime faire aussi quand je marche, c'est m'arrêter et me retourner pour pouvoir admirer, regarder, m'émerveiller du paysage, de la beauté de la terre. Donc je me retourne, mais avant de me retourner, je marque un arrêt, je m'arrête. Dans notre vie quotidienne, une énergie d'habitude qui nous pousse beaucoup à courir, à aller de l'avant, on va vers le futur, et sans vraiment s'arrêter et dans le vivre, vraiment vivre, être dans le moment présent. Donc je me retourne, je m'arrête, je me retourne et je m'émerveille. Comme un enfant qui s'émerveille devant la beauté. Par exemple, c'est le temps de Noël, on peut s'émerveiller devant toutes les lumières. Avec une de mes sœurs, récemment, on est allé à Bergerac. Et bien sûr, il y a toutes les vitrines avec les décorations de Noël. Mais on a aperçu une vitrine avec des lumières qui clignotaient et plein de petits personnage, et l'enfant à l'intérieur de nous nous a amené jusqu'à la vitrine où c'était une représentation de l'usine du Père Noël avec plein de petits personnages qui préparaient les différents cadeaux. Et donc l'émerveillement était là dans nos yeux, l'enfant à l'intérieur de nous était là. Donc je me retourne quand je marche. Et est-ce que j'étais perdue dans la lune, perdue dans mes pensées? Donc je reviens. Et aussi, de se retourner, ce que ça a évoqué pour moi, c'est des fois je me retourne sur ma vie et de voir qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie. Bon, j'ai un certain âge maintenant, donc c'est bien de se retourner. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie? Il y a un poème que nous lisons ici dans notre monastère, qui est un poème pour nous rappeler combien chaque moment est précieux et où est-ce que je vais avec ma vie. Donc je vais vous lire, c'est le poème sur l'impermanence. Le jour touche à sa fin. Notre vie s'enfuit. Regardons profondément. Qu'avons-nous fait de tout ce temps passé? Chère communauté, avec diligence, consacrons-nous de tout cœur à la méditation. Vivons pleinement chaque instant comme des personnes libres. Conscients de l'impermanence, ne laissons pas nos jours s'écouler dans l'inutilité. Donc se retourner sur sa vie. Le mot aussi qui est dans ce poème, m'émerveiller, s'émerveiller. Et j'aime beaucoup une phrase de Marcel Proust, parce que quelquefois on pense que je dois voyager beaucoup pour m'émerveiller, parce que ici autour de moi, bon, il n'y a peut-être rien qui m'émerveille. Et Marcel Proust dit « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. » C'est-à-dire, chaque matin, chaque moment, si je regarde le monde avec des yeux neufs, je vais voir toutes les choses comme un enfant qui découvre.
Et donc, avec l'émerveillement dans mon cœur, chaque matin est un jour nouveau. Et nous avons un petit poème quand nous nous réveillons le matin, que nous pouvons réciter. Me réveillant ce matin, je souris. J'ai 24 heures toutes nouvelles devant moi. Je fais le vœu de les vivre en pleine conscience et de regarder le monde avec les yeux de la compassion. Sourire. Et Mère Teresa, elle a une phrase où elle dit « La paix commence avec un sourire ». C'est un cadeau aussi qu'on peut se faire, s'offrir un sourire. Et si nous souhaitons avoir la paix, offrir la paix, on peut commencer en offrant un sourire. Somptueuse beauté, la terre. Imaginons que nous sommes des astronautes maintenant. On quitte la neige un petit peu et on part tous dans un vaisseau spatial. Et nous sommes des astronautes. Et on part et c'est complètement obscur. Et on se retourne et on voit, on aperçoit notre planète, un joyau bleu et vert. Et on la voit et on est ému de la beauté de notre planète Terre, ce merveilleux joyau qui est là, sa somptueuse beauté, notre demeure, notre maison. Mais est-ce que nous réalisons qu'elle est là tout le temps pour nous? Est-ce que nous réalisons sa beauté, tout ce qu'elle nous offre? Combien elle est notre maison. Récemment, je suis, comme j'aime beaucoup marcher, après le petit déjeuner au hameau du Bas, et je pouvais voir que le ciel était magnifique. Donc je suis sortie et j'ai marché le long de la route du hameau du Bas et j'ai vu un magnifique arc-en-ciel, alors que de l'autre côté, le soleil apparaissait à l'horizon. Et comme c'était un matin, c'était assez surprenant. Et l'arc-en-ciel, au bout d'un moment, assez rapidement, il s'est effacé. Donc, une des choses qui est importante, c'est... Est-ce que je suis présent pour toute la beauté qui m'est offerte à chaque moment? Et aussi, j'ai la Terre, grâce à la science d'aujourd'hui, à toute la technologie, tous les satellites et toutes les... toute la technologie actuelle, nous pouvons, la Terre est étudiée et comprise, et on peut voir, et c'est découvert maintenant, que la Terre est assez extraordinaire, que c'est un organisme vivant, que c'est un organisme qui est capable de rétablir son harmonie, et qui est absolument extraordinaire, l'interconnexion de toutes choses ici sur Terre. Et si ça vous intéresse, il y a un très bon documentaire que peut-être certains d'entre vous ont vu, qui s'appelle « Terre sous influence ». Donc, dans ce documentaire, il parle de comment la Terre est, tout est en relation. L'inter-être. Et aussi, bien sûr, il parle de notre action en tant que l'action que l'on a sur notre planète,
sur notre, avec notre façon de vivre. On va écouter un son de cloche. Et visualiser notre terre, ce précieux joyau, notre demeure. Donc je me découvre en toi, moi qui marche dans la pleine conscience, sur le chemin de terre bordé d'herbes fraîches. Mes pieds font une promesse à la terre, mes yeux embrassent l'heure matinale. Je m'installe dans la paix de l'instant présent. Donc quelle promesse je souhaite faire en cette nuit de Noël ? Sur mon bureau, dans la petite salle d'études que j'utilise avec d'autres sœurs, j'ai une toute petite phrase que je contemple et qui m'aide à chérir chaque instant de ma vie. Donc c'est écrit « Je chéris les jours et les heures qui me restent à vivre. Ils sont si précieux, je fais le vœu de ne pas en gâcher un seul. » Donc, comment puis-je chérir les jours, les heures qui me restent à vivre en pratiquant la gratitude, en ayant de la gratitude pour tout ce qui est là autour de moi. Et en faisant cela, en reconnaissant tous les cadeaux que nous recevons chaque jour, à chaque moment, nous nourrissons la graine de joie en nous. Je m'installe dans la paix de l'instant présent. Qu'est-ce que la paix ? Donc, c'est la rendre vivante, hein, vivante en nous. C'est cultiver la compréhension, l'amour, la compassion. Qu'est-ce que je souhaite transmettre en cette nuit de Noël, en cette soirée de Noël ? Qu'est-ce que je souhaite vous transmettre ? En fait, tout simplement mon cœur. Comme dans le chant de la chorale, le chant que mes frères et sœurs viennent de vous offrir. Tout simplement offrir notre cœur. Et qu'est-ce que c'est la paix ? Qu'est-ce que c'est la paix pour moi ? Et la paix, ce n'est pas l'opposé du challenge et des difficultés, mais c'est avoir la capacité dans notre vie de pouvoir reconnaître qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe dans mes sentiments, mes émotions, de reconnaître qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui me traverse, de reconnaître aussi qu'en moi-même il y a aussi des graines de violence, tout comme il y a des graines de compassion, donc aussi des graines de paix, des graines d'agitation,
d'anxiété, de colère. Hein. Donc, qu'est-ce que je choisis de cultiver en moi? Qu'est-ce que je choisis de cultiver pour pouvoir... car ce que je cultive, c'est ce que je vais offrir. Hein. Donc, bien sûr, pour la plupart d'entre nous, notre choix, c'est de cultiver des graines de paix, des graines de compassion, de compréhension, d'amour. Hein. Pour pouvoir avoir un effet positif sur notre famille, sur la société. Et le Bouddha nous dit, la seule façon d'apporter la paix au monde est d'apprendre soi-même à vivre en paix. Donc la pratique de la pleine conscience va nous montrer un chemin, comment pouvoir vivre en paix. Les feuilles d'automne tombent et recouvrent le chemin, déroulant le tapis de la marche méditative. Hésitant, l'écureuil se cache derrière le tronc de l'arbre. Il me considère, les yeux teintés d'un peu de surprise, puis se lance à la cime de l'arbre pour disparaître derrière une touffe de feuilles. Je vois le ruisseau limpide se glisser entre les fentes des rochers blancs. L'eau rit aux éclats, les pins sifflent, ensemble ils célèbrent une matinée de paix. Donc ce matin, je suis allée marcher et toute la nature était très calme. C'était vraiment une matinée de paix ce matin. Toute la nature, il n'y avait pas de vent. Et tout en marchant, à un moment, je me suis arrêtée, je me suis retournée. Et au loin, j'ai pu apercevoir des milliers d'oiseaux, très très loin, mais j'ai pu les apercevoir, hein, des nuées d'oiseaux, des oiseaux migrateurs. Hein, ils migrent pour aller à la chaleur, hein, se réchauffer. Comme nous nous réchauffons auprès d'un feu de cheminée, où là maintenant on a le chauffage central, mais... Et on se réchauffe les uns auprès des autres. Hein. La soirée de Noël, souvent ça, on se retrouve, on revient en famille pour se réchauffer dans notre maison. Et donc des oiseaux, ils volent vers les pays un peu plus chauds pour passer l'hiver. Hein. Donc ensemble, ils célèbrent une matinée de paix. Donc c'est pour pouvoir célébrer aussi, et quelque chose qui résonnait en moi, c'est pour pouvoir entendre les pins siffler et l'eau qui rit aux éclats. On a besoin d'être silencieux à l'intérieur de notre esprit. Mais souvent l'esprit peut être très agité, comme moi ce matin, où... Si je pensais, oh, il va falloir que j'offre l'enseignement, et est-ce que je vais être capable? Et donc, de calmer la pensée pour pouvoir entendre, écouter. Et ce matin, je pouvais entendre, il y avait quelques oiseaux qui chantaient leur chant. Pas beaucoup, mais quelques oiseaux qui chantaient. Je pouvais les entendre. Et puis aussi, certains endroits, entendre l'eau. L'eau qui rit aux éclats. Et aussi voir, il y a des mares d'eau ou les petits étangs de lotus, où on peut voir en ce moment, toute la, comme c'était très calme, on peut voir le reflet tout, quand l'eau est calme. Comme ici, cette salle de méditation s'appelle l'eau tranquille. C'est l'eau calme qui reflète tout ce qui est. Quand j'étais plus jeune, la chose qui m'a marquée, c'est d'entendre parler des trêves de Noël. Et d'entendre que la trêve de Noël, une coupure commune des endroits en guerre. Particulièrement, il y avait un
fait, qui avait été dit pendant la Première Guerre mondiale, où les soldats de différentes parties s'étaient arrêtés de se battre pour faire une trêve pendant la période de Noël. Et je sais que d'autres pays ensuite avaient fait cela. Et ça m'avait toujours marqué. Et pourquoi, si on est capable de s'arrêter de se battre, pourquoi recommencer à se battre? Ça m'a toujours frappé. Pourquoi c'est nécessaire? Puisqu'on est capable de ne pas se battre, pourquoi recommencer à s'entretuer? C'était la trêve de Noël. Et dans cette partie du poème, je vois aussi les lieux de souffrance. Car la pratique, ce n'est pas de fermer les yeux sur la souffrance. Nous avons le chemin de la pratique, comme les 5 entraînements à la pleine conscience, qui est conscient de la souffrance. Donc je vois aussi les lieux de souffrance où les conflits entravent l'homme. Nous nous faisons souffrir les uns les autres et déversons sur la terre la vague déferlante de la discrimination, de la haine, de l'avidité, cause implacable de tant de catastrophes. Les poussins de la même poule se teintent de couleurs différentes et se battent. Les cris déchirants clament l'horreur de la guerre. Donc la paix est trouvée non pas dans l'absence de challenge, l'absence de difficulté, mais elle est trouvée dans notre propre capacité d'être avec ces difficultés, sans jugement, sans préjudice, sans résistance. Et il y a une phrase de Jésus qui dit « Seigneur, combien de fois dois-je fermer les yeux sur les manquements de mon frère à mon endroit ? 7 fois ? » Et Jésus répond « Ce n'est pas 7 fois que je te dis de, ce n'est pas 7 fois que je te dis de le faire, mais 77 fois. Et c'est de Matthieu. Donc peut-être pour certains, la paix et la non-violence sont synonymes de passivité et de faiblesse. Mais en vérité, pratiquer la paix et la non-violence est loin d'être passif. En fait, ça nous demande de reconnaître notre propre souffrance, de transformer notre propre souffrance, de reconnaître les graines de violence en nous-mêmes et de ne pas les cultiver, de vraiment être, de pratiquer pour ne pas cultiver ces graines de violence. Si j'ai un conflit avec une de mes sœurs, je vais pratiquer pour résoudre ce conflit en moi-même. Faire générer en moi l'énergie de compréhension, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en moi, qu'est-ce qui a été touché en moi-même. Donc dans les 5 entraînements à la pleine conscience, donc on nous dit être conscient de la souffrance. Dans le premier entraînement, une chose qui nous est conseillée, s'entraîner à tout regarder avec ouverture, sans discrimination, et attachement à aucune idéologie, à aucune vue. Le deuxième, s'entraîner à regarder profondément afin de voir que le bonheur et la souffrance d'autrui sont étroitement liés à mon propre bonheur et à ma propre souffrance. Donc les poussins de la même poule se teintent de couleurs différentes et se battent. Une phrase de Jésus. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Et le Bouddha nous dit quelque chose de similaire. Considère les autres comme toi-même. Donc en arrivant à faire cela, on peut voir que si nous avons un conflit avec quelqu'un, si nous avons des difficultés, nous pouvons voir
que l'autre, c'est nous-mêmes. Et en faisant cela, ça va changer notre regard sur la personne. J'ai en 2013, dans le jour de Noël, il y a un petit poème qui m'est venu et je l'ai mis en musique. Et je ne suis ni un grand poète ni une grande musicienne, mais en réfléchissant, en contemplant sur ce que j'allais vous partager cet après-midi, il est revenu en moi. Et normalement, ce n'est pas quelque chose que je fais parce que c'est quelque chose un peu intime en moi-même. Et comme ce n'a rien d'extraordinaire, hein, et que je suis un être tout à fait ordinaire, mais je me suis dit que je voulais vous l'offrir quand même. Donc je vais le lire d'abord, hein, et ensuite je essaierai de le chanter. Peut-être on va écouter un son de cloche avant. Que la nature est belle en ce jour de Noël. Un soir, mon doux Jésus, tu es apparu pour arrêter les guerres tout autour de la terre, pour offrir ta présence dans un monde d'absence. Que la nature est belle en ce jour de Noël. Un soir, mon doux Jésus, tu es apparu pour partager l'amour jusqu'à la fin des jours, transmettant la lumière tout autour de la terre. Je vous propose de fermer les yeux. Je vais chanter. Du moins, essayer de chanter. Que la nature est belle en ce jour de Noël. Un soir, mon doux Jésus, tu es apparu. Ok, je me suis trompée dans la mélodie. Bon, c'est pas grave, hein, je vais la chanter, mais c'est peut-être pas la mélodie que j'avais dit. Que la nature est belle en ce jour de Noël. Un soir, mon doux Jésus, tu es apparu pour arrêter les guerres tout autour de la terre. Pour offrir ta présence dans un monde d'absence. Que la nature est belle en ce jour de Noël. Un soir, mon doux Jésus, tu es apparu pour partager l'amour jusqu'à la fin des jours, transmettant la lumière tout autour de la terre. Thank you.
la terre, c'est nous. Chers frères, chères sœurs, elle est si belle que j'ai envie de prendre dans mes bras toute la planète, de la serrer tendrement contre ma poitrine. Respirons ensemble au même rythme et ramenons le calme dans notre esprit. La terre, c'est nous. Nous contenons le cosmos tout entier. Quand je suis venue au village pour la première fois, qui est une calligraphie de notre maître, elle est toujours là, dans la salle à manger du hameau du bas, qui écrit « Ce morceau de pain contient le cosmos tout entier. » Et quand nous mangeons du pain, les Français, nous aimons manger le pain. Enfin, avant, on aimait manger le bon pain. Au hameau du bas, on a beaucoup de chance. Notre sœur qui fait les achats, elle nous achète du très bon pain. Et je sais qu'ici, au hameau du haut, il y a un four à pain qui a été construit récemment et nos frères fabriquent le pain. Donc vous avez beaucoup de chance d'avoir du très bon pain. Donc quand vous mangez un morceau de pain, d'abord vous pouvez reconnaître l'amour de mes frères qu'ils vous offrent, et des amis aussi qui sont là et qui aident, l'amour des personnes qui ont construit le four à pain, l'amour des fermiers qui ont récolté le blé, l'amour de la terre qui a fait pousser le blé et qui nous offre ce morceau de pain. Donc quand nous le mangeons, nous mangeons le cosmos tout entier. Pour moi qui étais aussi élevée dans la tradition catholique, bien sûr le pain, ça représente le corps du Christ. Et voilà. Le cosmos tout entier qui est là. Donc la terre est si belle. Je veux la prendre dans mes bras. Et j'aime beaucoup cette image. Parce que avant de devenir nonne ici au village des Pruniers, j'ai vécu dans une autre communauté. Et mon maître dans cette communauté était un homme de paix aussi. Il est décédé en 1993. J'ai eu la chance car j'ai passé de nombreuses années auprès de lui. Et c'était un homme de paix. Et j'ai une photo de lui dans mon journal où il serre la terre entière dans ses bras. Enfin, c'est un globe. Hein. C'est un globe et il la serre tendrement avec un grand sourire. Et quand j'ai lu cette phrase dans le poème de Thaï, ça m'a vraiment... ces deux hommes de paix, c'est mes deux maîtres qui sont là en moi. Ils sont mes racines, ils sont mes guides, la lumière qui m'aide à continuer sur mon chemin. Donc Noël, ça représente aussi la lumière, donc la lumière qu'on met un petit peu partout, la grande étoile qui est là-bas, au-dessus de l'autel, la lumière. Et ce n'est pas l'obscurité qui est notre ennemi. En fait, quelquefois, on a peur de regarder dans notre souffrance. Pendant le chant ce matin, nous étions invités à laisser monter notre souffrance pour l'embrasser et l'accueillir et laisser l'énergie de compassion, de pratique de la communauté tout entière l'embrasser et la guérir. Ce qui nous fait souffrir, c'est notre rejet et notre déni de la souffrance. Et en fait, tout simplement en la reconnaissant, en l'acceptant, oui, je souffre, c'est dur. Et nous pouvons, à ce moment-là, le travail de guérison pourra se faire. Et le jour ne chasse pas la nuit. Je sais pas si, moi, j'aime beaucoup marcher au lever du jour ou à la tombée de la nuit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, est-ce que vous avez vu des fois que est-ce que vous avez vu que le jour dit à la nuit, va-t'en, je ne veux plus que tu sois là, c'est mon tour maintenant, il doit faire jour.
Ou alors, c'est, on voit presque, ça se passe tout doucement, très simplement. Soudainement, il fait jour, hein, ou il fait nuit. Et maintenant, avec la science, on calcule exactement la durée des jours et on sait, ok, les jours vont rallonger, les jours raccourcissent. Et j'aime beaucoup cette image aussi avec, si ici, la pièce, peut-être, si le chauffage est éteint, la pièce va être froide. Des fois, on a certains, par exemple, au hameau du bas, on a encore l'ancienne salle de méditation et la salle du nectar du Dharma, et qui est froide parce qu'il n'y a pas de chauffage central. Il faut allumer un poêle, le poêle à bois. Et donc, quand on allume le poêle à bois, petit à petit, la pièce va devenir plus chaude. Et ce n'est pas la chaleur ne vient pas soudainement, tout doucement. Et c'est la même chose avec notre pratique. Ça se fait tout doucement. Tout doucement, la pratique va nous imprégner et elle va devenir vivante en nous. Ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé. Vous devez pratiquer. Vous devez être en pleine conscience. Mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous-même. La paix, l'amour, la compréhension. La pleine conscience, elle est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et en la cultivant, elle va se manifester, naître, comme l'enfant Jésus. Elle va naître en nous et grandir, comme nos frères et sœurs aussi, qui ont été ordonnés. Maintenant, ils sont des enfants de 10 jours. Ils sont grands. 11 jours. 14 décembre, ils ont été ordonnés. Ah, oui. Donc, nous, les êtres humains, coopérons, acceptons-nous. Aimons-nous car nous aimons la terre et nous savons que notre amour est le tout. Notre amour n'est pas un fragment. Tous ensemble, nous sommes responsables de la planète. Mes chers frères et sœurs, ce matin, cet après-midi, ce soir, transmettons-nous la vue. Faisons en sorte que prenne forme le grand amour. Et là, dans la version anglaise, je sais que c'est très légèrement différent, car c'est « share your vision », partager la vision. Mais en français, c'est écrit « transmettons », transmettons-nous l'amour, transmettons-nous la vue, et l'amour aussi. Et donc, à chaque moment de notre quotidien, nous nous transmettons. Quelquefois, on pense, mes parents m'ont transmis cela, ou mes grands-parents, ou mes professeurs, ou mes enseignants. Mais en fait, c'est bien de réaliser qu'à chaque moment de notre quotidien, j'ouvre une porte, je me transmets. Si j'ouvre la porte et je la pousse parce que je suis en colère et je claque la porte, je vais transmettre cette colère dans mon mouvement. Si je suis en pleine conscience et je ferme la porte avec douceur, avec paix, la porte ne m'a rien fait, même si je suis en colère, je vais transmettre la paix. Nous sommes énergie, notre corps est énergie, notre esprit est énergie. C'est la science nous le dit. Donc, nous pouvons transmettre une énergie de paix dans notre quotidien, la façon dont nous mangeons, la façon dont nous regardons quelqu'un, dont nous tendons la main ou saluons quelqu'un, la façon dont nous marchons sur terre, nous transmettons. Nous pouvons transmettre ce qui est là dans notre cœur. Et je sais que dans le cœur de chacun d'entre nous, nous souhaitons être heureux et nous souhaitons que les autres soient heureux, en paix. Et Jésus nous dit, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour
les uns pour les autres. Et le Bouddha, dans le Sutra de l'amour, nous dit « À tout moment et dans toutes les positions, debout ou assis, allongé ou en marchant, tant que nous sommes réveillés, nous faisons le vœu de maintenir en nous la pleine conscience de l'amour. » Et le Sutra de l'amour, c'est un sutra que je lis tous les jours. Et ça m'aide à faire grandir, à maintenir en moi cette pleine conscience de l'amour. De voir, quelquefois, j'ai peut-être des conflits avec mes sœurs. Et je vois mes... C'est la priorité pour moi et essentiel de ne pas garder ce conflit, car les conflits entravent l'homme, mais de laisser passer l'amour. C'est le plus important, de retrouver l'amour dans mon cœur. Je vais relire le poème de Thaï. Et je vais terminer ici mon partage pour cet après-midi. Nous allons écouter un son de cloche et je vais relire le poème. Sur le chemin menant à la lune, je me retourne. Je t'aperçois et ne cesse de m'émerveiller sur ta somptueuse beauté, bulle d'eau qui flotte sur l'océan de l'espace immense. Tu es la terre, tu es la planète verte, éclatante et superbe, pourtant si fragile. Je me découvre en toi. Moi qui marche dans la pleine conscience sur le chemin de terre bordé d'herbes fraîches. Mes pieds font une promesse à la terre. Mes yeux embrassent l'heure matinale. Je m'installe dans la paix de l'instant présent. Les feuilles d'automne tombent et recouvrent le chemin, déroulant le tapis de la marche méditative. Hésitant, l'écureuil se cache derrière le tronc de l'arbre. Il me considère de ses yeux teintés d'un peu de surprise, puis se lance à la cime de l'arbre pour disparaître derrière une touffe de feuilles. Je vois le ruisseau limpide se glisser entre les fentes des rochers blancs. L'eau rit aux éclats, les pins sifflent. Ensemble, ils célèbrent une matinée de paix. Je vois aussi les lieux de souffrance où les conflits entravent l'homme. Nous nous faisons souffrir les uns les autres et déversons sur la terre la vague déferlante de la discrimination, de la haine, de l'avidité, cause implacable de tant de catastrophes. Les poussins de la même poule se teintent de couleurs différentes et se battent. Les cris déchirants clament l'horreur de la guerre. La terre, c'est nous. Chers frères, chères sœurs, elle est si belle que j'ai envie de prendre dans mes bras toute la planète, de la serrer tendrement contre ma poitrine. Respirons ensemble au même rythme et ramenons le calme dans notre esprit. Nous, les êtres humains, coopérons, acceptons-nous, aimons-nous car nous aimons la terre. Et nous savons que notre amour est le tout. Notre amour n'est pas un fragment. Tous ensemble, nous sommes responsables de la planète.
Mes chers frères et sœurs, ce matin, transmettons-nous la vue. Faisons en sorte que prenne forme le grand amour. Et en relisant le poème, je me disais que je voulais vous dire quelque chose que notre maître aussi, un exemple qu'il prend souvent en parlant des poussins de la même poule se teintent de couleurs différentes et se battent. Notre maître souvent dit que raconte, et aussi ça nous arrive à nous-mêmes, il raconte qu'un jour il a planté un clou pour accrocher un tableau et sa main a frappé l'autre main. Et moi, il n'y a pas très longtemps, en pelant un fruit, le couteau est venu à me couper un autre doigt. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe quand on se frappe, une main frappe l'autre main par erreur, et là où quand je me coupe, automatiquement, notre autre main vient prendre soin de l'autre main. Il n'y a pas de discrimination. Donc notre maître en sait toujours cet exemple de lui-même se frappant, et tout de suite la main qui vient. Donc nous sommes tous des poussins de la même poule. On est teinté peut-être, la couleur de notre peau est un peu différente, ou de nos vêtements un peu différente, mais nous venons tous de la même mère. Nous sommes tous des enfants de la terre, tous des enfants de la terre. Et quand nous nous retournons et nous regardons ce précieux joyau, et nous voyons, nous reconnaissons quelle est notre véritable maison, notre véritable chez-soi, notre véritable demeure. La terre est ma demeure. Donc elle est la demeure de nous tous les êtres humains. C'est comme ici, là, nous sommes tous rassemblés pour célébrer ensemble cette veillée de Noël, cette soirée de Noël, célébrer la naissance d'un enfant de paix, un enfant d'amour, de compassion. Donc joyeux Noël à tout le monde, à vous toutes et vous tous. Merry Christmas. Et je l'écris en différentes langues. Je vais essayer de le dire en différentes langues. Frohe Weihnachten. Vous pouvez le dire en allemand, s'il y a des Allemands. Et dites-le fort. Ok. Feliz Navidad. Il est espagnol. Ok. Et en italien, Buon Natale. Buon Natale. Donc, joyeux Noël. Merci, chers amis, pour votre écoute, votre présence. Et on va écouter trois sons de cloche. Donc, on peut, cette énergie qu'on a générée ensemble, on peut la diffuser, l'envoyer pour l'univers tout entier, pour les personnes qui peut-être se sentent seules ce soir, peut-être qui souffrent. Donc on va, en écoutant le son de la cloche, on peut envoyer cette énergie de paix, d'amour à l'univers tout entier.